Salut tout le monde, Team Starfighter. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo sur New World. Actuellement on est le 24 septembre, le jeu sort le 28 septembre, il sera disponible en pré-téléchargement le 17 comme vous pouvez le voir, enfin le 27 à 17h comme vous pouvez le voir ici. C'est une bonne nouvelle, donc on pourra télécharger le jeu avant sa sortie officielle, en pré-téléchargement bien évidemment. Mais on va revenir sur une actualité qui date du 22 septembre, qui est plutôt centrée sur les serveurs. Les serveurs qui seront disponibles au cours de cette du lancement du jeu, au cours de New World. Donc on va pouvoir aller les voir ensemble. Il y a vraiment pas mal de serveurs comme vous pouvez le voir. Là je me suis vraiment concentré que sur les serveurs en Europe centrale. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas mal de serveurs. En ce qui concerne ces serveurs, il y a une classification qui a été mise en ligne, qui a été faite par le community manager qui est Tosh, nous expliquant qu'il y a certains serveurs qui seront à peu près désignés à une certaine langue. Tout le monde pourra rentrer dans ces serveurs, mais les langues qui vont vraiment prédominer sur ces serveurs vont être soit de l'anglais, soit du français, soit de l'allemand, soit de l'espagnol, soit de l'italien, soit du polonais. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal d'anglais et d'allemand tout simplement. Et en ce qui concerne nous, français, anglais, on va être sur Younes, Nissa, Baku, If et Melind, qui vont être après les serveurs où vous pourrez normalement, d'après le community manager, retrouver le plus de français sur le jeu. Donc, si vous êtes un français, si vous voyez ces vidéos, je pense que ces serveurs seront justement les plus adaptés à vous. Si vous avez personne avec qui jouer, si vous n'avez pas de faction, pas de guild, si vous avez vraiment personne avec qui jouer, je pense que vaut mieux que vous orientez sur ces serveurs-là pour pouvoir avoir une bonne expérience de jeu, pouvoir profiter du jeu avec d'autres personnes, avec vos amis. De plus, faut savoir que, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, je suis déjà moi dans une compagnie qui organise une réunion ce soir, le 24 septembre à 20h30. Donc si vous voyez cette vidéo bien évidemment avant la réunion, n'hésitez pas à m'informer dans les commentaires de la vidéo ou sur un de mes réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo pour me dire que ça vous intéresse, que vous aimeriez en savoir plus sur la compagnie, etc. etc. afin que vous puissiez participer à cette réunion qui aura lieu ce soir. Évidemment tout le monde ne pourra pas parler, mais tout le monde pourra y participer, au moins en faisant acte de présence. Et lors de cette réunion, on va parler un peu de quelle faction on va choisir, de quelle compagnie on va choisir, et de plein d'autres choses par rapport au jeu, qui veut tryhard d'entrée, qui veut y aller en mode chill, etc. etc. Donc toutes ces informations seront données ce soir lors de la réunion. Moi, en tant que capitaine de la compagnie, on est quatre capitaines, je vais être présent, mais évidemment, je risque de parler, donner mon avis sur pas mal de choses. Et également, je m'occuperai, pourquoi pas, de gérer un petit groupe, si c'est un groupe de tryhard, si c'est un groupe de chill, pour tous ceux qui ont besoin d'aide, de conseils, etc. Car j'ai participé à bêta et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué à la bêta du jeu, en bêta fermée, bien évidemment. Comme vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos, sur New World, il y a une playlist qui est directement disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, après on va descendre un peu. Il y a vraiment pas mal de serveurs, il n'y a pas beaucoup de serveurs pour les Espagnols apparemment. Après il y a pas mal d'autres mondes. Mais pour l'instant, vraiment, il y a énormément de monde pour l'Europe centrale. Ça fait vraiment plaisir car quand on compare aux dernières bêtas, au moins là on peut se dire qu'il y aura sûrement, bon, sûrement peu de queue, voire pas du tout de queue, en voyant vraiment le nombre de serveurs qu'il y a. Mais après, bien évidemment, faut se dire que là, le jeu va sortir, donc tout le monde pourra y jouer, tout le monde, ceux qui ont acheté le jeu pourront y jouer. Donc, faut quand même être méfiant, rester méfiant sur cela. Mais dans tous les cas, comme c'est dit plus haut, nous surveillons attentivement les mondes pour déterminer s'il faut en ouvrir davantage dans les régions définies. Donc, ça signifie que si les queues sont trop longues, si des mondes sont surchargés, etc., il y aura sûrement une répartition des joueurs, il y aura sûrement une création de nouveaux mondes, afin de nous permettre de mieux jouer de nouveaux serveurs, etc. Ça c'est plutôt pas mal. Ça vraiment, ça c'est une bonne nouvelle je trouve. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez rejoindre la compagnie ou autre, si vous voulez participer à la réunion ou autre, dites-moi dans les commentaires, la vidéo ou même sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Discord, sur mon Discord personnel, mon Discord communautaire, Twitch, Twitter, Instagram. Si vous voulez vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires également. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mr. Fighter, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos sur New World. Ciao ciao la team!